ensemble d'un cimetière. Nous essaierons de vous faire rire, de vous faire rire à mourir. Au paradis, nous ne sommes que des avant-morts. Priez, priez, mes frères, nous sommes les morts. Mesdames et messieurs, les mortuaires sont très joyeux, très enthousiasmés, très peureux d'être ici ce soir devant le public le plus attentif de notre belle province. Silence! Et maintenant, sans plus tarder, je décède la parole à mes confrères. Les mortuaires sont un groupe qui prie. Un groupe uni, un groupe qui aime la vie. Merci. Les mortuaires sont un groupe sévère, un groupe qui prospère et dont la devise en hiver est « Il fait frette en caleçon ». Les mortuaires sont un groupe atroce, un groupe qui se force. Et la première partie de notre spectacle vous est présentée par la compagnie SO, grand brasseur de lait de magnésie. Magnésie du tigre. Et sans plus tarder, nous nous présentons, et ce, par ordre de beauté. Les oreilles. Moi, je m'appelle Armand Gauthier, et je suis beau quand je suis bien peigné. Y'en a qui disent que je suis sur ta perte, c'est pas vrai, je suis bien trop frais. Vous n'aimez pas mes confrères, il ne faut pas vous en faire. Je vais essayer de vous délasser par vos chansons préférées. Eh bien oui, c'est moi le next. Mon nom Midas Lafayette. Ma fleur, les intimes. Moi, je ne sais rien, je ne sais pas chanter. Mais je suis capable de vous parler, par exemple. Justement, la semaine dernière, le mortuaire, nous sommes allés aux États-Unis. Plus précisément, nous sommes allés faire un pèlerinage dans les cimetières du Texas. J'ai pas besoin de vous dire qu'on est texassé à l'os. Parce que voyez-vous, dans les cimetières, ça tête à l'os. Moi, je suis toujours le dernier. On dit que je suis le plus énervé. Ça va arriver au monde de se tromper. Prenez celui qui nous a engagé. Ne partez pas, ça ne fait que commencer. Nous, on s'en fout, vous avez payé. Nous, on s'en fout, vous avez payé. Yeah, yeah. Bonsoir et bonne ride. Le poste le plus violent des ondes, C'est pas assez, vous présente ces événements osseaux avec votre animateur préféré, Camille Lacqueduc. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. À Saint-Anneau est décédé Monsieur Yvan de la Boisson, employé à l'orgie des alcools de sa municipalité. Il est l'époux en première noce de Jeannine sans chagrin et la cotée de Jeannette sans regret. Le corps de la dépouille mortelle sera exposé au salon funéraire Dégèle la bougie. ...1090 avenue du Requiem, angle boulevard, c'est la Concorde. L'inhumation du défunt aura lieu mardi
en l'église Notre-Dame des fausses douleurs. Service 10 heures. On demande de ne pas envoyer de sœur. À tous les membres de la famille éprouvés par le deuil, nous offrons nos plus sincères félicitations. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Il y a de la joie avec les mortuaires. Rien ça va mal, c'est d'asseoir. Le bon longtemps, viens, le chien, j'ai fait aller tes wobos. Parce qu'il prenait des petits portraits pour de l'eau catholique. Viens, le chien, j'ai fait aller tes, j'ai fait enlever son pornographe. Je l'ai fait mettre en prison. Yes, Séraphin Cœur Noir. Séraphin fait arrêter Wobo pour avoir pris belle photo par derrière. Yeah, oui, c'est Aster, Wobo dans le cachot. Wobo payé cher de sa poche, oui, c'est ben viens, le chien Wobo, des sangueurs, des paresseux, des bandits, des malvois, des guinillous, des voyous, des enculottes, des drames comme toi, notre nation n'en veut plus. Viens, le chien encore bien pire que ça. J'entends-tu dire que tu es la belle. Il va emmener son métro jusqu'à Saint-Adèle. Ben viens, le chien, on a bien assez d'un Steinberg sans métro. Ben bon, là, ça sert pas de bon sens. Viens, le chien, fin de semaine à Saint-Adèle, ça fout. Ça fournit plus, il y a bien trop de monde. Ça prendrait quelqu'un capable pour nous en parler. Il y a déjà trop de crimes qui se commettent comme ça. Ça prendrait une éminence rouge. Ça prendrait le cardinal Léger, par exemple. Monseigneur! Étoile de rosaire, j'ai de la misère avec ma calotte! Lors de la dernière réunion du Concile, qui a été tenu à Rome, la capitale des boissons alcooliques. D'où ne provient pas le fameux rum and coke? Il a été question de boxe et de lutte contre le crime. À cette occasion, sa sainteté, notre Saint-Père le Pape, s'est exprimé en ces termes. Mes bien chers frères, priez le maître de la boisson afin de renvoyer les ouvriers de nos tavernes. Et en terminant, je n'ai qu'un conseil à donner à tous ceux qui luttent contre le crime, que la pègre soit avec vous et avec votre fusil. Plusieurs personnes ont fait des chansons sur Montréal, sur l'Expo, mais aucun imbécile n'a osé écrire une chanson sur la Confédération. Nous, hommes de peu de foi, avec l'aide de l'ABUA, Association des Bédouins Unis d'Amérique, nous en avons produit une. Voici donc chantée par les quatre gorlots, les trois cloches de la Confédération. Bam, 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 c'est l'année du centenaire. Béling, béling, soit le maire. Le monde tous notre verre. Béling, béling, soit le maire. À ce grand événement béling, qui depuis béling, plus béling, de 100 ans. Hélas, à travers le monde entier, les Canadiens sont renommés. Ils n'ont jamais causé de guerre, ils ne prennent que de la bière. Bah, bah, bah. Un petit coup, la la la, un petit coup, la la la, un petit coup, c'est doux. On accepte n'importe qui, les Italiens, les Juifs, les Buffalo. On a même accepté French et Jarreau. Bah, bah, bah. Bam, 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 bam. Aujourd'hui, après 100 ans, ça va mal au Parlement. Changer, mais que les choses ont empiré, les ramineux sont députés. Sois le mesdames et messieurs, vous
n'est pas sans connaître l'importance du calcul dans notre vie moderne, voici donc à cet effet un cours de français. Voici donc les listes de mots que l'Académie française nous avait fait parvenir il y a 2 mois. Première série. À l'avenir, nous ne dirons plus un bel boy dans un restaurant, mais un beau garçon. Arrête ça. Vas-y. Nous dirons un homosexuel en campagne, un cross-country. Nous ne dirons plus un baiser brûlant, mais un sun-kiss. Comme dirait La Fontaine, qui a bu, aboira. Deuxième série, les noms femelles. À l'avenir, nous dirons un voyou, une voyelle. Un bretteux, une bretelle. Un glaïeul, une glabouche. C'est plus poli. Un metteur en scène, un metteur en sainte. Pour grossir le spectacle. Troisième série, les quiproquos. À l'avenir, nous ne dirons plus « Ce cultivateur est allé chercher les vaches derrière la cathédrale, mais ce cultivateur est allé vacher! » Comme la devise de nos riches religieux, « Christ que rien n'a rien! » Nous dirons « Une police sobre, un agent de police. » Les deux phrases suivantes à ne pas confondre. La jeune fille est assise sur la berge du ravin avec la jeune fille est assise sur la verge du rabbin. Arabin, tu peux s'asseoir et tout. Ça dure à ben trop longtemps, son affaire. Il faudra également éviter de confondre « Ce prêtre est mort fou entre deux messes » avec « Ce prêtre est mort mou entre deux fesses ». Voyons donc, chose, on ne dit pas ça. Quatrième série, les traductions. À l'avenir, nous traduirons la désormais phrase célèbre latine. Sicut in cielo et in terra, par si tu te salis, salut ne terra. Bon. Nous traduirons également l'expression anglaise « She speaks English fluently » à « parle anglais quand elle flue ». Nous traduirons également « A one-man show » par « un homme pacté ». Et nous dirons finalement « un petit os, un hostie ». C'était au fait la longue liste de mots que l'Académie française nous avait fait parvenir. Si vous ne voulez à l'avenir en faire une meilleure usation, moi je m'en gratte le nombril avec une fourchette à escargot. Et moi je m'embrasse le nombril avec le pinceau de l'indifférence. Vous venez mon père. J'y vais. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un interremède médical avec les fameux frères Gomez qui nous viennent directement du Grattez-moi là en passant par le Venezuela, les frères Gomez. Alors, bonsoir le grand public, c'est un grand plaisir, my brother and myself, to be here ce soir. Ce soir, my brother and myself. Bon, ben, mon frère, arrête dans ça tout de suite, là. On n'est pas pour tromper un public honnête qui a payé son admission pour venir nous voir en leur faisant croire qu'on est des Espagnols ou des Mexicains, malgré nos chapeaux. On est des bons Canadiens français, nous autres, on est venus au monde, on a vu le jour en pleine nuit, si vous aimez mieux, à la barre à plouf. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui savez pourquoi ça s'appelle la barre à plouf. C'est que voyez-vous, dans le temps, il y avait un dénommé Arthur Lessard qui possédait plusieurs bateaux. Un de ces jours, un de ces bateaux a fait défaut, il a appelé un mécanicien, le mécanicien s'est amené avec une grosse trousse à outils, il a commencé à jouer dans le moteur, puis il a pris dans sa trousse une grosse barre, commence à taper sur le moteur, bing bang bang, d'un bord, puis l'autre l'a fait partir, le moteur partait pas, toujours est-il qu'il a eu fini de la barre, il l'a mis sur le bord du bateau, il continue à jouer dans le moteur, il a fait un faux mouvement, il a donné un coup de sa barre, la barre a tombé à l'eau, ça a fait plouf! La barre a plouf! Toujours est-il qu'à la suite de cet événement, on a dit on va se lancer dans le show business, on va apprendre la guitare hawaïenne, puis là on va vous jouer. Le bateau de Tahiti. On jouerait bien l'avion d'Hawaï, mais après une débarque en s'en venant.
Thank you.